Salut, dans C'est pas de nous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un business qui, en Afrique, peut changer énormément de choses, surtout au marché, avec nos mamans qui vendent le poisson, poulet, etc. Donc voilà. Donc ici, on a un produit qu'on va vous présenter. Ça, c'est une voiture, une petite voiture électrique. Voilà. On va se rapprocher pour voir l'intérieur. Intérieur simple. C'est une voiture deux pédales automatiques. Tu as juste le volant, petit tableau de bord et tout, voilà. Après, au niveau d'ici, on va montrer la partie la plus importante de la voiture. C'est à ce niveau-ci. OK. Ici, comme j'ai précisé tout à l'heure, on parle ici d'une petite chambre froide. Une petite chambre froide que vous pouvez déplacer. Donc voilà, ça, c'est la chambre froide. On peut voir au niveau d'ici. Ici, on peut aller jusqu'à moins 15, moins 20, moins 25, dépendamment de... du settings que vous allez préférer. Donc voilà. Donc c'est une petite voiture comme ça qui ne coûte vraiment pas grand chose. Voilà. Je me répète encore, ça ne coûte vraiment pas grand chose. Petite voiture électrique avec ça. Avec ça, quelles sont les opportunités que vous pouvez gagner? Vous pouvez commencer à vous rendre au marché. Chaque soir, quand les mamans finissent de vendre le poisson, le poulet et tout, voilà, vous les proposez de pouvoir garder ça dans votre petite voiture électrique. Et puis vous allez les remettre ça, vous allez les ramener ça le lendemain avec un pourcentage. Soit vous dites, OK, pour garder votre marchandise dans ma voiture, vous payez, exemple, 2000 francs. Je suis sûr que toutes les mamans qui vendent le poulet sont prêtes à payer 2000 francs pour faire garder leur marchandise au frais dans ce genre de conditions. Voilà, c'est propre. Je vais encore ouvrir pour qu'on voie bien. Voilà, même depuis là, on peut voir. Vous voyez que c'est propre. Et puis voilà, même l'espace ici, je pense qu'ici, on a quoi? On a 2 mètres sur 1 mètre quelque chose, donc voilà. Donc la superficie, elle est quand même énorme, vous pouvez garder énormément de produits au niveau d'ici. Après ceci, on a celui-ci aussi. Maintenant celui-ci, différemment de l'autre, lui il est plus pour les marchandises. Donc celui qui veut se lancer dans tout ce qui est transport et tout, voilà, vous pouvez commencer avec ce genre de modèle. Avec ce genre de modèle, vous avez la possibilité de déplacer les colis des gens en sécurité, même sous la pluie. Parce que quand vous avez les tricycles qui sont ouverts, quand il pleut, c'est pas vraiment convenient pour pouvoir déplacer la marchandise. Donc, si on a, c'est comme un petit tracteur, un petit camion de déménagement. Voilà, vous pouvez faire la livraison avec ça, ramener les colis des clients et tout, voilà. Donc, voilà le petit modèle que je voulais vous présenter aussi. Donc, tout ça sont des voitures électriques, je me répète, ce sont des voitures. Voilà, ce sont des voitures électriques ici. L'autonomie ici, là, on parle d'une voiture qui peut rouler 100 km. 100 km. Donc, voilà, vous pouvez juste avoir une idée. On va avancer pour faire le tour. On va de ce côté, si vous allez voir. Ils ont aussi le modèle pick-up. Le modèle pick-up, c'est celui-ci. Donc, vous avez un modèle comme ça. Qui peut vous permettre de pouvoir voilà pareil, mais sauf que à l'exception, quand vous avez ce genre de modèle de pick-up, vous avez pas, vous devez mettre une bâche pour pouvoir couvrir quand il pleut pour déplacer la marchandise. Voilà. Donc, par contre, avec celui-ci, il est plus désolé pour le bruit, c'est la fin de la foire, donc on est en train d'aménager, tout se ferme et tout. Voilà. Donc, au niveau d'ici aussi, c'est ça la différence. Lui, il a un toit, ça te permet de pouvoir emmagasiner après. Après, pour tous ceux qui sont au niveau de la Chine, ils savent bien que non, ça, c'est deux fois, les gens de SF utilisent ça pour livrer les colis et tout, voilà. On va avancer ici, vous allez voir. Au niveau d'ici aussi, pareil, on a le type de pick-up et tout, voilà. Donc, cette entreprise, elle est vraiment spécialisée dans tout ce qui est... Donc, cette entreprise, elle est vraiment spécialisée dans tout ce qui est fabrication, tout ce qui est voiture électrique. Vous voyez ce modèle ici, pour ceux qui connaissent un peu plus dans les voitures, quand on voit ça, on pense à quoi? On pense à une Ford. Mais ça, c'est pas une Ford, c'est une voiture électrique, voilà. Donc, pareil aussi, ici, on a des petits modèles comme ça. Mais pour tous ceux qui sont en Chine, ça, c'est rien de surprenant. Hein. On voit ce genre de voiture tous les jours et puis voilà. Donc, on va avancer. Voilà, ça c'est l'intérieur de la Ford, voilà. Boîte automatique, écran et tout ce qui va avec. OK, OK. On va aller de ce côté, suivez-moi. Donc, au niveau d'ici, on a des petits bijoux, des petites jolies voitures comme ça. On va vous montrer une voiture qui ressemble à une Mercedes, façon une Audi aussi, mais c'est vraiment pas ça. Maybach. Donc, voilà. Ça, on a une très belle voiture, électrique aussi. Voilà.
On va voir l'intérieur. OK. L'intérieur est spacieux. Je vais essayer d'allumer. J'ai un très grand écran ici, au niveau d'ici, voilà. Welcome, c'est beau. Donc, avec une petite voiture comme ça, je peux déposer les enfants à l'école et tout ce qui va avec. Donc, voilà. Donc, vous pouvez vraiment utiliser cette voiture pour les petites courses journalières, pour éviter de pouvoir utiliser votre propre voiture. Voilà, ça vous sauve en carburant aussi, parce qu'après, si vous avez des voitures lourdes, ça veut dire que ça consomme énormément. Donc voilà, ici aussi pareil. Maintenant, après, quand j'ai causé avec la dame, elle a bien précisé que ces voitures-ci, l'autonomie dépend du type de batterie que vous allez prendre. Donc, il y a des batteries qui vont aller jusqu'à 100 km, il y a des batteries qui vont aller à 70. Donc, vraiment, ça va vraiment varier. Ici aussi pareil, on a les mêmes modèles. Vous voyez, ça c'est une voiture plus grande que celle-là. Celle-là, c'est un petit modèle, et puis ça, c'est le grand modèle. Donc, ça va vraiment dépendre. On va rentrer pour vous montrer ici. Là aussi, le type de cette voiture aussi. Oups, oups, oups. On voit l'intérieur. OK. Là, je démarre. OK. Je vais démarrer. Ouais, j'ai deux écrans ici. J'ai même un troisième écran. Ça, c'est pour voir la marche arrière. J'ai le Bluetooth. Donc, le Wi-Fi. Le Bluetooth, il y a aussi le AC aussi. Voilà, dépendamment de vos exigences. On peut vous mettre le AC comme vous voulez. Donc, vous voyez, ces petites voitures comme ça, ça coûte presque rien. Mais après, c'est pratique. C'est pratique pour les déplacements de tous les jours. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a. Donc, voilà, je pense que je vais conclure la vidéo ici. En gros, c'était juste pour vous présenter ce type de business. Leur main market, c'est plus le Nigeria et le Kenya. D'après ce qu'elle m'a dit, qu'eux, ils vendent plus leurs produits au Nigeria et au Kenya. Donc, vous pouvez juste imaginer. Si vous êtes dans la francophonie, si vous êtes le premier à pouvoir ramener ce type de business, ça va vous faire rentrer énormément d'argent. Imaginez-vous juste que vous prenez une voiture comme ça, vous mettez ça comme taxi, vous déplacez les gens. Vous avez 100 km. Vous pouvez déplacer les gens avec ça. Très bien. Vous faites votre Yango, un truc comme ça, une petite voiture comme ça. Vous faites de l'argent avec ça. Ou encore, prenez le modèle pick-up pour déplacer quelques marchandises ou même plus d'opportunités. J'ai commencé la vidéo avec le type frigorifique. Voilà, vous commencez avec un petit camion électrique frigorifique pour pouvoir démarrer votre business. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez. Donc, lancez-vous aujourd'hui, contactez-nous, on va pouvoir travailler ensemble. Allez, on se dit à très bientôt. C'était Dorset, pas de nous. Allez, ciao.